Et salut YouTube, salut tout le monde, on est parti pour du... Il y a eu un dring dring, chez moi tout va bien. On est parti pour du Zelda en mode expert, Zelda Breath of the Wild. Du coup, let's go en fait, tout simplement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que j'ai joué déjà à Breath of the Wild à l'époque, quand c'est sorti avec la Switch, donc en 2007, je crois. J'ai joué du style 5 heures à ce jeu qui est magnifique, hein. C'est pas du tout que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a eu un enchaînement de jeux en fait, tout simplement, et je disparais, oh mon Dieu, à cause de la non-lumière sur moi. Malheureusement, je m'éclaire juste avec l'ampoule de ma pièce. Je n'ai pas encore de lumière, mais ça viendra. It's okay, c'est que quand il y a du vert. Bon, il y aura peut-être beaucoup de vert à un moment, mais bon, tout va bien. Au pire, on réglera la qui à ce moment-là. Qu'est-ce que je disais? Du coup, ouais, j'avais que 5 heures sur ce magnifique jeu. Malheureusement, du coup, je me suis dit, bah, ça serait la bonne occasion parce que ça fait 3 ans que le jeu est sorti, du coup. Et il y a quelques jours, ça faisait 3 ans qu'il était sorti. Là, aujourd'hui, nous sommes le 12 mars, donc c'est un petit peu dépassé, mais it's okay, c'est toujours dans les temps. Et du coup, je me suis dit, bah, pour les 3 ans, pourquoi pas tout simplement recommencer le jeu et puis le commencer en fait, tout simplement, parce que 5 heures sur Breath of the Wild, ce n'est absolument rien, j'avais absolument rien fait, enfin, j'avais genre une divinité, je sais pas si on les appelle comme ça, mais celle qui te donne des pouvoirs. Et c'est tout en fait, et c'est quand même vachement dommage d'être passé à côté de ce merveilleux jeu, de ce chef-d'œuvre, bien évidemment. Et voilà. Donc, pourquoi pas reprendre, et c'est maintenant. Et je me suis dit, pourquoi pas en mode expert, parce que bien évidemment, je me suis pris tous les DLC. Je me suis dit, comme ça, on est tranquille, on a de quoi faire. Voilà. Donc, oui, je veux jouer en mode expert. Donc, on va sûrement se faire défoncer. En fait, c'est pas sûrement, on va se faire défoncer, mais c'est pas grave. Ok, donc ça nous change carrément d'interface et tout. Nouvelle partie. Oui, je n'ai pas de partie en mode normal, en mode expert, parce que bah, j'avais jamais fait. Du coup, voilà. Et je vous laisse avec petite cinématique. Je crois qu'il y en a une. Ça m'a l'air, hein. Peut-être juste après ça. Benz. Priest of the Wild. Bah non, en fait. Non, parce que j'ai encore oublié de faire ma scène, je crois. Bah, c'est pas grave, hein. Il y aura ma sale gueule. Je pensais que ma scène était réglée quand même avec ma carte d'acquisition, mais il faut croire que non. Du coup, c'est un peu décevant. Je sais pas s'il y a vraiment une cinématique ici. Ok. Réveille-toi. Je crois que ça va vite, hein, de toute façon. Ouvre les yeux. Il y a juste ça, et après, on est directement dans le monde. Son petit bain tranquille, tout va bien. C'est parti, on commence directement du coup. Zandrandizion. Je vais juste regarder pour ma scène en fait, parce que je trouve ça un peu bizarre que... Ok, en fait c'était coupé. Ok, je l'avais éteint. Ah oui, parce que en fait... Ok.
je pense que c'est ok. Hop, là on va voir ma tête. Et là... bon, de toute façon, il y aura plus de cinématique en fait. Enfin, il y en aura peut-être 2-3 qui traînent dans le jeu, mais c'est vrai que c'est pas le plus important dans le jeu. Mais au moins, ça sera fait pour les prochains jeux sur console. Tout va très très bien, ne vous inquiétez pas. Ok, alors prenons la tablette Shaika. Prends cette tablette, Sheikha. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Je prends. Mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse, bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Oh, ok. On a les coffres. Le vieux pantalon. Ah, super, c'est toi le vieux pantalon. Accès à la sacoche. Tac. Vieux haut. Maintenant. Vieille chemise, évidemment. Peur de pas être à poil. Soulever. Lancer. Très lancé, ça, c'est ce que je viens de faire. On peut pas se battre avec les poings, non. Il faut absolument une arme. Triste. Lancer. Mais attends, mais c'est pas lancer ça. Je me trompe peut-être. Oui, je me trompe. C'est ma faute. Ça, c'est lancé. Ça, c'est lancé. Ça commence bien, hein. On a vraiment pas de chance avec la RNG. Bon, peut-être qu'il y avait vraiment rien en fait. Place la tablette chez Ika sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Vérification de la tablette Sheikha. Ouverture des portes dans le sens de la circulation. Et la lumière fuit. Ça y est. Nous allons sortir et c'est à partir de là que nous allons nous faire OS en chaîne. Car je le rappelle, tu nous sommes en mode expert. Lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. J'y vais. Promis, j'y vais. Donc du coup, quels sont nos objectifs, hein? Je vais faire Zelda, mais je vais faire quoi? Bah en fait, je vais essayer de faire le maximum en fait du jeu, hein, je pense. C'est-à-dire que ça soit le maximum d'exploration, le maximum que je peux faire... avec les quêtes qui me sont données, l'objectif Ganondorf bien évidemment au bout d'un moment. Je dis pas que c'est mon objectif principal. Vraiment pas. Genre c'est vraiment pas mon objectif principal. Et je vous laisse avec ça. Yes, c'est si beau. Mais c'est si beau, Indiou. Ok, donc à partir de là, on est déjà assez libre dans le jeu. Hein. On est libre de faire ce qu'on veut. Le truc, c'est qu'il y a quand même, on va dire, une mini ligne directrice à suivre au début pour avoir le paravoile, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donnez un coup d'arme. Okay. Bah, mais c'est quand même les petits champis, bien évidemment. Ramassons un peu ce qu'on peut ramasser. Chose qui nous donne de la vie, on va pas dire non, bien évidemment. Que... une chose très importante dans ce jeu, c'est... qui est quand même plutôt importante, c'est la cuisine, bien évidemment. Et
Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut mettre pause pendant les combats. Comme ça. Enfin, ça met pause au jeu, quoi. Et on peut manger. Du coup, c'est incroyable. Une vraie pause tactique. Ouh. Ah bah yes. Ah ok, ça commence bien, hein. Je commence déjà à faire le con. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On va ramasser les petites pommes. Ah, est-ce qu'on peut secouer l'arbre? Ça je m'en souviens pas. Non, on peut escalader. Ok, la branche va bientôt se briser, on va éviter. Oh oh oh, ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu ? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi ? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici ? Où sommes-nous ? Tu réponds à ma question par une autre question ? La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude. Le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Yes. Alors on va éviter d'aller dans le feu là parce qu'on risque de mourir. Pomme grillée. Ah oui, ça redonne plus de vie. Eh, ma pomme grillée. Oh, allez, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici et elles sont encore meilleures grillées. Petit tips dès le début. Quel est ce bruit ? Pigeon. Ok. Eh bien, consommons-la déjà. Et comment je fais du coup ? Prendre. Est-ce qu'il suffit que je les mette sur le feu ? Près du feu peut-être. Ok. Peut-être un peu tôt. Faut pas qu'elle crame quoi. Ok, nice. Parfait. Link. Oui. Link. Oui, c'est moi. Link. Oui, bonsoir. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Attends, laisse-moi tranquille. C'est possible ça? Oui. J'y vais. Sanctuaire. Attends. Guidé par la tablette. Quête principale. Oui, alors attends, juste, je me fais un peu à l'interface, calme-toi. Champi, les champis aussi, ça se fait cuire comme ça. Oui, parfait. Bien, je pense que nous allons faire ça avec un maximum de champis. Du coup, là, on est sur une moitié de cœur, et là, on est sur un tiers de cœur. Parfait. Prendre combien de trucs ? 5. Très bien. Oui, ils sont pas bons. Okay. Tout va bien. Tout va bien, c'est que des champis, calme-toi. Trop marrant. Du coup. Qui a-t-il ? Que fais-tu ici ? Oh, je vais rester ici un petit moment et à me régaler de pommes grillées. Elle sera très bonne même sans la passer sur les flammes, mais elle est encore plus nourrissante que ça. Mais pourquoi tu as peur ? Calme-toi. Cette torche. Tu veux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche ? Faire une arme ! Eh bien, quel fougue, jeune homme. Calme-toi un instant, cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici. Alors si c'est une arme que tu cherches, tu dois pouvoir trouver mieux à proximité. J'ai laissé une hache juste là, tu peux la prendre avec toi si tu veux. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut juger son adversaire, évaluer les distances. Ok. Ok, ok. Là, je suis là-bas. Du coup, est-ce que... Genre, par exemple, je prends cette branche d'arbre, je la mets dans le feu. Est-ce qu'elle va se consumer
elle va griller et je vais plus pouvoir m'en servir ou... Ou isoquer, je peux m'en servir comme arme. Et si je la range? Ah ouais, ok. J'éteins le feu. C'est vrai que ça fait un peu débile là actuellement, il n'y a pas trop de feu, mais... Enfin, il n'y a pas de nuit quoi. Et si je veux allumer, genre ce feu, comment je fais? Comme ça. Très bien. Nous avons chaud près du feu. Change pas l'état. Ok, bref. Prenons la hache. Lancer une arme. Brandir, lancer. Enfin, je vois pas trop pourquoi je ferais ça. Oh, l'herbe brûle. Ok, nice. Explose. Enfin, disparaît. Ok. Intéressant, intéressant. Est-ce que les arbres peuvent brûler? Oula. Petit ralentissement. Oh, nice. Parfait ça. Il y a eu un courant d'air. Toutes les pommes sont tombées. Incroyable. Hop, faire cuire ça. Nice. Oh merde, il y en a une qui a pas... Bon, c'est pas grave. Osef pour l'instant. On verra après. Qu'est-ce que c'est? Notre premier ennemi. Donc c'est là où on va mourir. Ah oui, alors attends. Parce que du coup... déjà, niveau vie, on n'est pas ouf. Et ensuite, niveau arme... prenons ça. Au moins. Oh non, où je sais. On va prendre ça. On va retourner en arrière. Oh, d'accord, il y a un désagro quand même. À une certaine distance. Les mobs désagro. Intéressant. Et coucou. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en plus j'ai éteint mon truc. Heureusement que je me suis fait des provisions. Hey. On va retenter. C'est notre premier ennemi, hein. On galère dessus, hein. Il y a du bon qui s'annonce dans le jeu vidéal là. Ok, double attaque. Ok, je vais casser dessus. Ah yes! Enlève-toi. C'est quoi? Ok, c'est ça le raccourci. Ouh, c'est très lent. Ouh, il prend pas beaucoup de dégâts, le monsieur. Ah, mais il régène en plus! C'est une blague par contre? Ah, donc c'est ça le mode expert du jeu? Les mobs régènent. Ok. Ça va être fun. Si tu t'arrêtes de les attaquer, les mobs régènent. Ok. Bah yes. What? What? Ok. Ma manette a full bugué. Entre les freeze et les bugs, ça va pas être super. Tout va bien. Y a juste à... Bah, à ne pas attaquer les mobs en fait du coup. C'est simple, non? Bon, on va aller à l'objectif directement. Hein. Du coup. Herbe d'Hyrule. Ok. Nice. Prenons de quoi se régénérater. Et ça c'est pareil, j'ai pas trop envie de m'y attaquer maintenant en fait. Et bah là il y a un camp. Ouais, là-bas, il y a des mobs de partout. Hein.
va bien se passer. Ok, il y a un mob. Je vais aggro les autres. Bon, il faut pas que j'aggro les autres là-bas. Non, ça va se passer pour moi. Est-ce que j'ai des esquives ou pas? Et salut Ace 9369, comment vas-tu? Merci beaucoup du follow. On n'a pas encore d'esquive. L'esquive, on la débloque plus tard, c'est ça? Okay. Si, j'ai une esquive, j'ai rien dit. Ok. Enfin, j'ai un saut, quoi. En fait, c'est pas vraiment une esquive, c'est un saut. Ouais, c'est pas vraiment une esquive, du coup. Yes! Est-ce que je peux récupérer ça? Ouais. De toute façon, je peux pas l'utiliser avec la hache. Attends 2 secondes. Bro. Je vais juste me soigner. Permets-moi juste ça. Je sais pas comment je pourrais le tuer, du coup. Parce que j'ai vraiment des armes de quiche. Ah ok, ça c'est pour parer, ok. Ah c'était complètement raté du coup. Après je sais pas si on peut parer ce coup, parce que ça m'a l'air d'être un gros coup quand même. Ok. Pas comme ça que je vais le tuer, hein. Qu'est-ce qu'elle est lente, l'arme. C'est horrible. Bientôt plus de nourriture. Ah si, je peux quand même bloquer. Ok. Il régène plus que ce que je lui inflige, c'est terrible. Il y a quoi à faire ici? Ok, on va s'occuper de ça, on verra après. On verra après. Ça m'a l'air fun, hein, ce mode expert quand même. Les mobs, tu leur fais 0 dégâts. Régène tout ce que tu leur fais. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Tablette shaker reconnu. Activation. Récupération des données topographiques. Gougout. La carte de la zone a été enregistrée. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés.
Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Ouais, alors le fais vite par contre, calme-toi. Calme-toi vite, Zelda, parce que ça va juste nous prendre des mois en fait. Vu déjà comme on a galéré sur un mob de départ là, et qu'on a même pas réussi à le tuer, je pense que tu vas vite te calmer. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire ici? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je n'ai pas encore le paravoile. Je peux retourner en bas plus facilement ou pas? Un ascenseur ça? Néon? Allô? Obligé de descendre à patte là? J'ai pas de but là. Je sais pas, je crois qu'il faut faire encore quelque chose avec si mes souvenirs sont bons avec le roi, non? Il faut que je redescende d'abord parce qu'il est pas là, c'est ça? Ok. Bon. Peut-être que je descende du coup. Que je me TP au sanctuaire. Ah non, ok. Ah yes. Tiens, tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. T'as entendu une voix qui semblait venir du château? Et cette voix, tu l'as reconnue? Trois petits points. Tu ne veux pas me répondre? J'imagine que c'est compréhensible. Après tout, tu ne me connais pas. Imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, ravagé villes et villages et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans... sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume, le château d'Hyrule et sa prison. Et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet, mais au calme. Il partira un jour, je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ce serait une autre histoire. Donne-la-moi! Oh, avec plaisir, mon garçon. À une petite condition, toutefois. Voyons voir. Passons à marcher. Toi et moi, il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Le plateau isolé. Toutes les quêtes sont consignées ici. Hey. Par ici, suis-moi. Je te suis. Et tu es lent, mais je te suis. Tu es très lent. Ouais, il y a un camp juste à côté là, par contre. Hein. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok, j'ai compris. Je vais chercher ton trésor. J'espère juste qu'il n'y a pas un ennemi en fait dans ton sanctuaire. Parce que s'il y a un ennemi, bah voilà, hein, bloqué dès le début du jeu, super. GG Noireux. Ah
Ouais, je pensais pas que c'était si ardu le mode expert. On va peut-être dû me renseigner avant de le lancer, non? Tout va bien, on va s'en sortir. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Rien n'est impossible. Si ça a été fait, c'est que c'est possible de le faire. On va peut-être galérer, ça c'est même sûr et certain, mais c'est pas grave. Ça nous prendra le temps qu'il faut. Alors regardez, on a notre première flèche en bois. On a une perle grillée. On a une flèche, mais on n'a pas d'arc encore, mais... Voilà. Oh, il y a un coffre. Oh, là aussi, il y a un coffre. Mais il faut les pouvoirs. Il faut les pouvoirs. Boum. X. Rubis brut. Ah, je crois que les trucs X, si je dis pas de conneries, c'est toutes les choses qui appartiennent au DLC. Comme je l'ai dit au début, j'ai acheté les DLC, tous les DLC. Bien évidemment, nous sommes en 2020, le jeu est sorti en 2017. Du coup, j'ai les DLC, bien évidemment. Je les ai tous achetés pour être bien, en fait. Est-ce qu'on peut le péter, ce caillou, là, ou pas? Est-ce que ça se pète? J'ai envie de tester. Ok, je vais arrêter de tester. Parce que c'est vrai que c'est un peu ma seule arme forte. Que je me calme. Des glands. Cool. Ok. Oh! Il y en a un autre qui vient de tomber à l'instant là. C'est marrant ça. Trouvez les glands. Non? Bah non, du coup. Ah, du coup, il y avait absolument rien. Ok. Bon. Pas grave. Allons dans le sanctuaire. Allons-y, let's go. Ok. Téléporteur. Ah oui, est-ce qu'on peut se téléporter au sanctuaire? Ça fait des points de téléportation sur la carte. Ce qui est plutôt pas mal. Les tours et les sanctuaires sont des points de téléportation. Donc c'est tout. Astuces, les astuces qui s'affichent sur cet écran. Ok, très bien. Ma première astuce, c'est qu'est-ce que sont les astuces? Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Mao nu, te mets à... Merde, j'ai pas eu. Te mets à l'épreuve, sûrement. Force magnétique. Ah oui! Ok. Donne-moi le pouvoir. Il est où le pouvoir? Donne-moi le pouvoir. Le pouvoir. Mais j'ai pas les pouvoirs là encore. Non. Ah, peut-être que je vais y mettre ma tablette Sheikah ici. On va prendre le power. Ça c'est un truc qu'on va entendre beaucoup dans le jeu. Goutte sur la tablette Sheikah, c'est... Le module est activé. Très bien. Ok. Nice. Et la petite musique. Excellent. On va remonter. Bien évidemment, quand on n'a plus d'énergie, ça je m'en souviens, quand on n'a plus d'énergie et qu'on est dans l'eau, on se noie, tout simplement. Nous avons un bloc ici, mais il faut juste retirer ce bloc-là, je pense. Mais pourquoi on a un bloc ici? Pourquoi il nous servirait celui-là? Ok.
Ah. Du coup, il y a un ennemi. Mais du coup, c'est pas ouf en vrai, parce que vraiment, j'ai tant galéré. Ok. Peut-être y arriver avec ça. Hein. Tous les moyens sont bons, hein. Jugez pas. Ah! Non! Ah si, je le pousse dans l'eau. Mais oui! Elle est là la solution. Et. Trop bien. T'as du loot? Si. Arbre antique, c'est l'élément rigide, nanana, ok. Vis antique. Attends qu'il ait une arme. Ah non, il en avait pas. Merde. Yes, sweet tombé. Ok. Tout va bien, je peux remonter. Je peux aller là-haut là. Là-haut là. Ok. Ouvrir les pop-arts. Oh oui, ok, très bien. C'est un peu brusque, mais tout va bien. Les petits coffres. Ok. Bah voilà, premier sanctuaire a réussi. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici et à lui apporter mon aide dans sa lutte contre le fléau. Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçoit l'emblème du triomphe. Le symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Bien. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Eh bien, salut mon pote. Ok. Ok, ok. Bon, bon, bon. J'ai un peu peur de la suite, là. Quand je vois les pirouettes que j'ai dû faire pour arriver déjà jusqu'ici, ça me fait un peu peur pour la suite. Bien. J'arrive toujours avec son paravoile, là. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Du triomphe, pardon. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Et ma paravoile. Viens une seconde, tu veux bien. J'ai dit avant tout, il me semble. Alors attends la suite. Tu sais ces tours qui sont sorties de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheka que tu portes à la ceinture. Comment ça? Tablette Sheka? Cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheika. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré cette terre des crises qu'elle traversait. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Hey. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore trois qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma paravoile. Il en faut encore. Oui, à bien y réfléchir, j'aimerais bien avoir les autres, mais je suis sûr que ça te posera pas le moindre problème. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? Une blague? Oh oh oh, inutile de te mettre dans cet état, j'ai une nouvelle astuce pour toi. Jette un œil à la carte sur ta tablette Sheika.
Tu vois ce symbole bleu sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? Parce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. Bah nickel. C'est ce que j'ai attendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Et écoute, je vais tester ça pour toi, mon ami. The Deliberty. Très bien, très bien. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Je me suis téléporté au bon endroit. Incroyable. Salut, salut. Salut Dragon Gaming, merci beaucoup pour le follow. Salut à toi. Bonjour, inconnu, tu as l'air sympa donc. Plutôt. On essaye. On essaye d'être sympa et d'apporter de la sympathie dans ce monde, non? C'est plutôt pas mal. J'espère que tu vas bien. Yes, donc parle-moi. Te faire doubler ainsi par un vieillard, franchement, je ne te croyais pas si lent. Mais comment? Oh, disons qu'à mon âge, on a plus d'un tour dans son sac. Alors, si je te fais venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Sheikah était équipée d'une longue vue? Ah non! Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. Longue vue, balise. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Compris. À présent, jette un œil aux alentours. Je pense avoir encore un œil, mais j'ai pas le droit de tête. Ok. Mais comment ça, pas le droit? Ah, parce que tu réponds pas à certains critères, c'est ça? Tu réponds pas aux certains critères qui sont peut-être l'âge, les antécédents, si t'as eu des problèmes pulmonaires ou des choses comme ça? T'as quel âge? Qui est plutôt intéressant, dis donc. T'es français, enfin tu vis en France actuellement? Problème au cœur? Ok. Je suis belge. Je sais pas combien, y a pas tant de cas que ça en plus en Belgique hein, en ce moment. C'est dingue. C'est dingue. Courage à toi, hein. Courage à toi et problème au cœur, c'est plutôt les problèmes pulmonaires qui sont si quand même, ok. Je t'avouerai que je sais que c'est là, je sais que on va tous tomber malade un jour ou l'autre de toute façon, mais je t'avouerai que je suis pas trop les chiffres. Ok, donc on a un sanctuaire ici. J'imagine que ça doit te faire baliser un peu, mais en vrai, t'inquiète, hein. Ça va aller. Moi, je pense que ça va aller. En plus, ça, j'avais vu. j'avais vu que les médecins pour les personnes. En fait, c'est soit les personnes sont en réanimation, ok. Il y a deux cas de ce que j'ai vu actuellement. C'est soit les personnes sont prises en charge sérieusement et elles sont en réanimation, soit on leur donne du paracétamol. Mais même pas pour l'effet du paracétamol, en fait. C'est le truc que j'ai vu. Merde, ça on y a déjà marqué. Attends, il y en a trois du coup, il est où le troisième? Passer une tour. Là. Après, je sais pas si c'est vraiment ces trois là qui voulaient que je marque. Enfin, qui voulaient que je fasse. Mais on en a un autre ici. Ah oui, mais je peux voir. Ok. J'adore ce jeu. Ok, nice. J'ai complètement. Enfin, en vrai, c'est pas que j'ai loupé le train. C'est en vrai, je l'ai pris dès le début. C'est-à-dire que j'étais, je faisais partie des toutes premières personnes à jouer au jeu à l'époque parce que j'ai acheté ma Switch Day One avec le jeu. Et le truc, c'est que malheureusement, j'ai 5 heures sur le jeu. Genre, c'est terrible, en fait. C'est terrible d'avoir 5 heures sur ce jeu. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas y recommencer pour les 3 ans. Ça m'a grave donné envie. Et au final, bah je me retrouve à faire le mode expert alors que je connais pas grand-chose au jeu. J'ai 5 heures au jeu. Et quand j'ai vu le premier mob, que quand je le tapais, il régénérait et que je le tapais
moins que ce qu'il régénérait, je me suis dit, oula, je vais pas passer un bon un bon séjour ici, moi. Mais bon, ça ira, hein. Mais t'inquiète. T'inquiète, ça va aller. Mais t'inquiète pour le spoil. Après, normalement, pour le spoil, c'est ok. C'est plus pour le backseat. Parce que le spoil, c'est plus quand c'est de l'histoire ou les choses comme ça. Bon, dans Zelda, y a pas trop d'histoire. Mais c'est plus, ouais, le backseat. En vrai, quand je galère, si t'es là, genre, je te demande. Mais sinon, s'il y a un truc qui te démange trop, juste tu me dis, il y a un truc que je voudrais te dire, mais je sais pas si, tu vois. Essaye d'amener la chose un peu doucement et pas juste me dire le chose dans l'état que je trouve quand même par moi-même. Après, il y a celle-ci que j'ai vue. Tu me dis, il y en a 4 dans les murailles. Ok, il m'avait pas dit juste 3. Hein ? As-tu vu les sanctuaires ? J'ai besoin d'aide. Hein, justement, tu peux accéder à toutes les nouvelles commandes que tu apprends depuis le menu pause. Ok, je m'en fous. Tu cherches un sanctuaire, utile. Ok. Ah, mais t'as fini l'année, donc tu as tout... Attends. Mais t'as fini la neige, donc tu as tout... Va les faire. J'ai fini la neige ? Le neige ? Attends, je comprends pas ce que tu veux me dire. Désolé. Mais j'ai rien fini du tout, hein. Enfin, en fait, j'ai fini juste le tout premier sanctuaire. Le tout premier qui te dit où il te dit d'aller. Celui où tu as le pouvoir Polaris. C'est tout. Non, le derrière, le truc de résurrection. C'est ça le truc de résurrection ? C'est la dalle ? Tu parles de la dalle ? Non ? Je sais pas. je vois pas de quoi tu veux me parler. Mais bah du coup là j'ai les 4. Hein. Ouais, je voulais juste regarder la carte. Où lui est dedans, lui est dedans, lui est dedans. Okay, nickel. Attends, mais j'en avais 4. Ah oui, c'est lui qui est pas dedans. Lui on s'en fout pour l'instant. En vrai. Effacer la balise. En vrai, c'est j'en veux que 3, hein, je crois, pour l'instant. Il faut que je fasse que ceux du plateau du prélude. Non, le truc où tu apparais. Ben c'est pas ça le truc où j'apparais. C'est ça? Ouais, c'est bon. Je sais pas ce que tu veux me dire, mais si c'est bon, tant mieux. Ok, donc on va se diriger sur la balise rouge. Y pense. Ah oui, mais je peux pas sauter là. Faut faire le chemin à pied. Ok, eh bien, allons-y. Allons-y, les amis. Tac, tac. Tu as tout souri. Ok. Ah, tant mieux. Ah, tu regardais si le pilier derrière, je l'avais activé, c'est ça? J'imagine que ça doit être ça. Je viens de comprendre. Commence par le plus dur, je te dis rien. Bon, tu m'as un peu dit quand même, là, du coup. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, enfin... J'imagine qu'il faut bien commencer quelque part. On verra bien. Si je galère trop, j'irai sur les autres, hein. C'est pas grave. De toute façon, ça va être très lent, hein. Je vais être très lent. Je vais être en mode full redécouverte du jeu et puis en plus je suis en mode expert, du coup ça va être très très compliqué. Alors, il me semble qu'on peut sauvegarder quand même quand on veut dans le jeu, ok. Faire une petite sauvegarde. Même si j'imagine qu'il y a des bonnes sauvegardes automatiques. Tant qu'il n'y a pas un gardien vivant, là moi ça me va. J'ai pas dit ce qu'il y avait. Bonne galère, très bien. On se déjante. Oh non. C'était ça. Ouais, je comprends. Enfin, c'est pas grave, on va courir. Hein. Allez, sans nu. Merde. Il va m'avoir. Merde. Il m'a eu. Mais c'est pas grave, parce que j'ai sauvegardé. Recommencer. Oh, cet écran, on va le voir. Est-ce que je me ferais pas un compteur de mort, en vrai? Je pense que je ferais ça pour le prochain. Je vais me le faire... Attends, sinon... Peut-être le faire en 2-2, là. Texte. Mort. Texte. Mort. Non. Une. Ok.
Où est-ce que je le mets? Là, juste en dessous. Mort 1. Voilà. Enru a malus quand tu meurs. Ouais, non, mais on va se calmer par contre. On va se calmer. Ah, c'est marrant, j'ai mon. On voit où est-ce que je suis mort? Ok. Marrant. Il y a une petite croix qui signifie tu es mort ici. Ok, non, mais tant que je vais pas vers lui, c'est bon. Il y en a pas d'autres. Lui, il va pas se réveiller. Oh putain. D'accord, ok. Ok, donc il y en a plusieurs. Très bien. Bon, lui, ça va. Parce que je peux juste me cacher. Mais est-ce qu'il va s'endormir au bout d'un moment? Accroupi, vous êtes plus lent, mais aussi plus discret, ce qui facilite les approches furtives. J'aurais dû m'approcher directement comme ça. C'est un peu my bad. Est-ce qu'il va se rendormir ou pas? J'ai l'impression que oui. Ok, non. Juste, il s'est calmé, mais... il fait pas dodo. Je vais juste sauvegarder ici. Ou peut-être que j'aurais pas dû. Ouais, c'est pas grave. Ok, et si je ne réveille pas celui-ci? Ou c'est scripté? Me dis pas que c'est scripté, s'il te plaît. Juste laisse-moi profiter, en fait. Oh non! Mais non, mais laisse... Oh non! Oh non, 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 je me suis trompé! Moi, je suis mort. Ok. Tout va bien. Tout va très très bien. Tout va bien. Ok, il va falloir qu'on fasse un plan d'attaque là. Oh, lui il redort. Alors attends, est-ce que c'est tant scripté que ça ou pas? Oui. Oh putain de merde. Vraiment, je suis pas si discret que ça au final hein. Ok, donc là je peux pas y aller. Là je peux pas y aller. Est-ce que si je cours comme un dératé, il y a moyen ou pas? Genre déjà si je passe en hauteur là. Que là il me cherche, genre. Non. Ok. Ok, je pense que je vais faire ça en vrai. Je vais attendre qu'il se calme. Mais équipe-toi mieux. Mais comment ça équipe-toi mieux? Mais je suis au début du jeu, je viens de lancer le jeu. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire! Mais non! Pourquoi des ennemis? Est-ce que je peux? Oui, je peux. Très bien. Facile. Qui a dit que c'était compliqué? Tout va bien, tout va bien. Il faudra juste que je trouve une meilleure arme à un moment, parce que oui, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je fais zéro dégâts aux ennemis. Sanctuaire de Jabashif. Ah, il va me donner la bebon, je pense. Ou les bebons, plutôt. Tablette Sheikah reconnue, activation du module en cours. Nice. Give me the bebon. Peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir tuer un peu des bébêtes. Je sais pas, je me souviens plus des dégâts des bebons. Je crois que c'était quand même assez insignifiant en vrai. Passer facilement d'un module à l'autre. Yes. Ok. Bah juste avant ça, en vrai, des bisous sur YouTube. Parce que oui, je record en même temps. Donc des bisous sur YouTube et on se dit au prochain épisode. Ciao.